Il n'est pas si tôt que ça, en fait. Alors la tête que j'ai, c'est la tête de je suis malade et je suis au bout de ma vie et tout et tout. J'ai beaucoup hésité à prendre la caméra aujourd'hui. Déjà, bonjour tout le monde. Oui, c'est toujours mieux d'être poli. Là, en fait, vous savez pas ce que je fais, c'est que voilà, tout simplement, j'ai remis la bête en route. Voilà, je vais aller là-bas parce que vous m'entendez absolument pas. Alors, je vous prends que maintenant parce que j'ai beaucoup hésité à vous filmer aujourd'hui, étant donné que je suis encore malade, d'où ma tête. Ce qui s'est passé en gros, bon, rien de grave, mais le fiston était malade la semaine dernière, ça faisait déjà plus de 10 jours, et on a un fils qui ne veut pas se soigner, qui rechigne à prendre les médicaments, à faire les inhalations et tout. Bon, il avait une bonne rhino, hein, rien de catastrophique, mais ce qui s'est passé, c'est que vendredi après-midi, le chéri, comme ça, d'un coup, limite en une fraction de seconde, il a eu super mal à la gorge. Il y a eu le rhume qui est arrivé, mais d'un coup, et moi, ça a été dans la soirée où c'est arrivé. Et le souci qu'il y a, c'est que quand on est enceinte, on ne peut rien prendre. Alors vraiment, rien. Je suis tordue, j'ai mal au dos, je me mets correctement, je continue à vous parler après. C'est bien mieux. Donc, je disais, quand on est enceinte, on ne peut rien prendre à part le Doliprane, mais quand on est malade comme ça, ce sont des inhalations juste à l'eau, des tisanes et ben, laver le nez à l'eau de mer ou au sérum phi. Et je peux vous dire que c'est très compliqué quand on ne peut pas au moins se soulager avec du L52, avec des huiles essentielles, etc. Parce que bon, de l'eau chaude, oui, mais... Et donc, du coup, on a passé le week-end comme des loques, mais vraiment comme des loques. 2 hours later. Il faut que je me lave les cheveux parce que demain matin à 8h15 j'ai rendez-vous chez le médecin, donc le médecin traitant. J'ai quand même certaines douleurs. Est-ce que c'est parce que je tousse beaucoup, que je me mouche beaucoup ou pas, j'en sais rien, mais je préfère aller le voir. C'est le chéri qui a voulu aussi que j'aille consulter, donc voilà, on va écouter le chéri. Et donc qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Ce matin j'ai fait pas mal de choses. Beaucoup de choses déjà, sachant que je suis pas bien. Bon, bah la bonne routine du matin, j'ai toujours pas accroché. Accroché, ça va être compliqué. Plier le linge que vous avez vu juste avant dans le fond, qui était éparpillé, la grosse pile. Il faut que je fasse ça. Mais là, c'était la priorité, prendre tous les rendez-vous. Mais absolument tous les rendez-vous pour le reste de la grossesse, puisque le 7e mois a commencé et que là, ça commençait à être urgent, on va dire. De prendre ces rendez-vous, donc bah, ça voulait dire le rendez-vous chez le gynécologue pour le 7e mois, le rendez-vous avec la sage-femme pour le 7e mois aussi, qu'elle me donne en fait tout mon dossier pour que je puisse prendre les rendez-vous à la maternité, puisque je suis suivie dans un hôpital de proximité. Bon, là, durant toute ma grossesse, c'est là où il y a mon gynécologue, mais le 8e et 9e mois, il faut que j'aille dans l'hôpital où je vais accoucher. Donc j'ai pris aussi les rendez-vous avec l'anesthésiste, même si pour l'instant la péridurale c'est vraiment qu'une option, mais c'est obligatoire ce rendez-vous-là. Avec la sage-femme pour le 8e mois, pour le 9e mois aussi. Le rendez-vous de visite de la maternité, donc ça va, là on est plutôt bien au niveau des rendez-vous. J'ai plus à me préoccuper de ça concrètement. Pour l'arrivée de la princesse, il n'y a plus qu'à acheter les dernières petites choses qui nous manquent encore. Donc voilà. Et là, je vais aller manger parce que j'ai faim. Je sais pas encore ce que je vais manger, mais j'ai faim. Mais j'ai importé les pistes pour faire le montage de mon vlog de la semaine dernière parce que j'ai décidé. Alors dites-moi en commentaire, parce que si ça vous plaît absolument pas, c'est pas la peine que je continue. Mais j'ai décidé de vous faire en fait un vlog un peu plus conséquent, qui sera donc un peu plus long, mais en général un vlog par semaine, dans lequel en fait, eh bien, vous aurez toute ma semaine passée. Ça paraît logique, voilà, en condensé. Donc est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît ou pas? J'aimerais mettre ça en place parce qu'à partir du moment, en tout cas, plus la grossesse, je vais avancer dans la grossesse, moins je vais pouvoir vous filmer plein de vidéos. Et surtout, une fois que j'aurai accouché, il y aura quand même, je pense, à mon avis, quand même 98% de vlogs. Parce que bah, tout simplement, ce sera le plus simple pour moi. Voilà, donc dites-moi bien en commentaire si ça vous plaît ou pas. Je vous laisse. J'ai vraiment faim.
2000 years later. Bon, 4h30, je reviens rapidement. C'est le téléphone du nouveau, l'alarme sur le téléphone qui m'a rappelé l'heure. Bon, la gueule, tout. Voilà, les cheveux, je vais me les laver en rentrant. Je vais pas me les laver avant pour pas reprendre froid. Concrètement, donc là, il faut que j'aille à l'école puisque dans maximum 10 minutes, il faut que je sois partie. Donc voilà. Le souci qu'il y a, c'est que il y a la télé, c'est que vous n'allez rien entendre. Concrètement, le propriétaire se fait livrer de la fiente. Et le souci qu'il y a, c'est que je ne peux pas passer. Donc comment je fais pour sortir, pour aller chercher mon fils à l'école? Voilà, c'est très compliqué. Ça me paraît réellement compliqué tout ça. Voilà, je ne sais pas. Sachant que je ne peux pas sortir la voiture, puisque la voiture est bloquée par une palette qui a été amenée pour le propriétaire aussi en début d'après-midi. Je panique ou comment ça se passe? C'est tous les jours comme ça, quasiment. C'est fatigant. Je me suis lavé les cheveux. Ça, c'est déjà quelque chose de fait. Et pourquoi je me suis lavé les cheveux, je sais même plus si je vous l'ai dit ou pas. Mais demain matin, je vais chez le médecin. C'est n'importe quoi, les couleurs sont horribles. Ma tête est horrible, c'est le... Ça va être le vlog de la loose là. Alors pourquoi on s'est levé si tôt? Pourquoi je suis déjà habillée et tout? Alors que là, logiquement, je me lève seulement à cette heure-ci pour l'école. C'est que je vais chez le médecin, tout simplement. Je sais plus si je vous l'ai dit hier ou pas. Oui, je vous l'ai dit au moins 3 fois, donc je pense qu'au bout d'un certain moment, vous avez compris. Donc ce matin, c'est 8h15 chez le médecin. Ma tenue du jour samedi, on y va. Alors comme toujours, mon pantalon de grossesse qui vient de chez Emmaüs, dans lequel je suis très bien, un haut de chez Etam que j'ai depuis des années, et puis voilà, parce que bon, le bidon se voit de plus en plus quand même. Ça y est, on est sorti du médecin, on a aussi déjà fait quelques courses, ça a été du n'importe quoi, voilà, on devait avoir 3-4 trucs, on est sorti avec un chariot plein à cette fois-ci, mais c'est n'importe quoi, vraiment. Sachant qu'on n'a même pas tout ce qu'il faut, donc il faut qu'on aille dans un autre magasin. Mais sinon, pour le médecin, au final, moi je n'avais pas une rhino, mais j'avais une sinusite qui est quasiment finie. Donc je me suis quand même plutôt bien soignée. Les douleurs que j'avais, bon, sans rentrer dans les détails, voilà, c'est le fait que je me mouche beaucoup, j'éternue beaucoup. Et puis voilà, hein, le reste, vous ne saurez pas. Pour le chéri, c'est plus grave que ce qu'on pensait. C'est pas une rhino, c'est une sinusite bronchite. Donc vu qu'il a un souci cardiaque, il a l'équivalent de la ventoline avec de la pénicilline. Bon, on vient de finir de manger, j'en profite pour vous faire cette prise, tout simplement parce que demain, je ne sais pas dans quel état sera ma gorge. Vous l'entendez, c'est catastrophique. Autant le nez, c'est bon, autant la gorge, c'est plus possible du tout. Du tout. Quand on est enceinte et qu'on est malade et que le chéri est malade, on fait chambre à part. En fait, j'ai un chéri qui est adorable, qui veut pas du tout
Ça doit être horrible pour vous avec la voix, je suis désolée. Mais j'ai un chéri qui veut pas du tout me contaminer, qui veut garder ses microbes pour lui, surtout pas que je les attrape. Donc c'est trop chou, mais ça fait long là, hein, sans son chéri. Bon, bah aujourd'hui, c'est une journée sans. Je pense que vous l'entendez. Je vais pas beaucoup vlogger aujourd'hui, même des images, parce que je suis out. La nuit a été catastrophique. J'ai pas dormi. Je pense à se voir, vraiment. Donc aujourd'hui, je ne travaille pas. Je ne fais pas de ménage. Je fais rien. Coucou tout le monde. Bon, je reviens. Alors je me dis que ce vlog n'aura absolument aucun intérêt. Je pense que vous l'entendez, je suis encore bien prise. J'ai pas vraiment vlogué hier, tout simplement parce que j'étais vraiment, mais alors vraiment, vraiment pas bien. Donc j'ai préféré me soigner, tout simplement, comme je peux. Et aujourd'hui, alors comment je vais? Je vais mieux, je sens qu'il y a une amélioration. Maintenant c'est pas non plus le truc du foufou. La nuit a été bien meilleure, ça c'est clair. Vu qu'il y a deux nuits que j'ai pas dormi. La nuit dernière, j'ai bien dormi. Bon, il est 11h, je viens juste de finir de regarder les vidéos en fait que j'avais en retard et encore j'en ai pas mal. Donc là ce que je fais c'est que vu qu'il faisait super froid ce matin, j'ai pas aéré ce matin. Je vais aérer là. Et ça. Ça sauve juste la vie, voilà, quand vous êtes malade, pour assainir les surfaces, les textiles, les pièces, vous êtes de travers, je suis désolée. Ça, c'est juste top. J'ai pas trop bougé. Concrètement, ce que j'ai fait, j'ai rien fait. Voilà, j'ai passé ma journée devant Netflix, devant The Walking Dead, même si je les avais déjà vus. Mais je me refais en fait toutes les saisons pour être d'une voix à jour. Et puis bon, il y a d'autres séries que j'aimerais commencer, mais j'avais envie de ça. Voilà, tout simplement. Vous pouvez l'entendre, ma voix ne va toujours pas mieux. Je vais un peu mieux, mais ma voix ne va toujours pas mieux. Tout bon. Hein, on croise les doigts que ça aille mieux encore demain. Bon, ça y est, la semaine se termine. Comment s'est passée la nuit? La nuit s'est bien passée. Vous l'entendez, je pense. La voix va de mieux en mieux. Je suis plutôt contente. Donc vraiment, enfin moi je remercie le gingembre parce que je crois que c'est ça qui m'a sauvée. Je vais essayer de recommencer un petit peu à bosser tout en faisant vraiment doucement encore, en me prenant encore là. Ce jour-là pour me reposer, pour vraiment recommencer lundi bien comme il faut. Alors je me rends compte quand même qu'il y a beaucoup de gens qui reprennent toujours le dicton: c'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Moi j'y crois pas du tout, ce dicton m'agace au plus haut point, puisque les microbes, les bactéries, les virus, ce sont des petites bêtes microscopiques qu'on ne voit même pas. On peut même plus dire que c'est une petite bête. Elles sont microscopiques et y a plein de gens qui meurent encore de virus, de choses comme ça. Donc c'est un peu stupide de dire que la petite bête mange pas la grosse. Bon, ben je sais, on est lundi, il est quasiment 2h et tout bêtement, en voulant faire le montage de ce vlog, je me suis rendu compte que je vous ai pas fait de fin. Donc rapidement, j'espère que ce vlog vous aura plu, même si c'est... ça a été un vlog malade, microbe, pas super sympa, pas super intéressant. Mais je me suis posé la question, est-ce que j'allais vous le monter ou pas, ou carrément est-ce qu'il n'allait pas avoir de vlog. Et puis finalement, être malade ça fait aussi partie du quotidien, donc pourquoi ne pas vous le poster. Dans tous les cas, je vous attends en commentaire pour pouvoir échanger avec vous. Et puis promis, dès demain,
je recommence le nouveau vlog de la semaine. Vous l'aurez très rapidement. Bisous.